Excellences, chers amis, mesdames et messieurs, bonsoir, merhaban bikoum, bienvenue au Festival culturel européen à la participation de Grèce. Καλώς ήρθατε στο Ευρωπαϊκό Πολιτιστικό Φεστιβάλ. La Grèce a toujours invité ces dernières années de centres de premier ordre dans le but de faire connaître la grande richesse musicale de Grèce en Algérie, mais faire aussi connaître l'Algérie en Grèce. Cette année, on a un grand plaisir d'accueillir Madame Hélène Tsaliropoulou. Hélène a déjà une carrière, un parcours artistique de presque 30 ans. Elle a enregistré 17 albums et elle a chanté pendant sa carrière de différents types de musique. Elle a commencé de traditionnel, elle a passé à la musique répético jusqu'à la musique, au type de musique pop. Ces dernières années, dans cette vue toujours d'essayer de changer son style, et elle a fait des performances et des présentations qui sont plus théâtrales. Et sa contribution à la musique grecque, elle est très grande. Elle a beaucoup contribué à rafraîchir et rajeunir la musique contemporaine. Aujourd'hui, elle est ici avec une partie du groupe Bogage, qui est, ça veut dire un passage, ça veut dire le vent qui vient de la mer Noire vers la mer Égée. Ils sont trois musiciens ce soir, c'est Spiros, Aris et Apostolis, qui vont jouer aux guitares et au canon aussi, un instrument qui existe aussi dans la musique algérienne. Cette année, on a aussi un très grand plaisir de faire la première rencontre musicale entre la Grèce et l'Algérie, entre l'Algérie et la Grèce. Hélène a eu une rencontre hier avec la chanteuse très talentueuse algérienne, Amel Zen. Et cette rencontre aboutira à une petite coopération ce soir. Vous allez avoir l'occasion de voir une petite rencontre entre les deux chanteuses et peut-être une chanson partagée par les deux peuples. Merci beaucoup. Thank you.
Thank you.